Paris le Vert gravement blessé. Le match de ce soir n'a aucune importance. Les mots de Kenny Atkinson, entraîneur de Brooklyn, sont venus souligner combien le basket est passé au second plan lundi soir. Les Nets, en déplacement chez les Minnesota Timberwolves, ont perdu leur meilleur joueur Kari LeVert, victime d'une grave blessure à la cheville droite. En revenant défendre et après une tentative de contre sur Josh Okogie, LeVert est mal retombé sur sa jambe, qui a semble-t-il cédé au niveau du pied. Les joueurs autour de lui ont immédiatement semblé horrifiés et l'assistance médicale a rapidement recouvert le joueur en attendant son évacuation vers l'hôpital afin de connaître l'étendue des dégâts. La mini-série, Washington enchaîne enfin. Pour la première fois de la saison, les Washington Wizards ont remporté une deuxième victoire en deux matchs. À la peine sur le début de saison, 89-2, la franchise de la capitale a profité de la réception d'Orlando pour se rassurer un peu, 117-109. John Wall, 25 points, 10 PDS, et Bradley Beal, 21 points, 8 RBDS, 4 PDS, ont été les principaux artisans du succès des leurs. En face, Terrence Ross, 21 points, et Evan Fournier, 20 PS, ont tenté de tenir le Magic dans le match, en vain. Les Floridiens ont craqué dans l'ultime période, 30-86. La contre-paire, Doncic n'a pas plombé Dallas. Luka Doncic, meilleur rookie du début de saison, ne se souviendra pas longtemps de son déplacement à Chicago. L'ailier slovène, particulièrement maladroit, 11 points à 3 dixièmes, n'a pas vraiment aidé son équipe qui s'est tout de même imposée, 103-98. Ce sont des joueurs plus expérimentés, tels Harrison Barnes, 23 points, et J. Barea, 14 points, qui ont fait la différence face à Zach LaVine, 26 points.